Maintenant, je vais faire une grande vue d'ensemble, donc un overview sur le Nouveau Testament pour faire une différenciation entre le contexte du salut et de la vie chrétienne. Donc on va voir premièrement les évangiles, deuxièmement les actes des apôtres, troisièmement les différents épîtres et quatrièmement la prophétie. Donc pour commencer, les évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, parlent en général de la vie et le ministère de Jésus-Christ, et surtout de la bonne nouvelle qui est sa mort, son ensevelissement et sa résurrection d'entre les morts. Et donc, Jésus-Christ faisait beaucoup de sermons qui parlaient de la vie chrétienne, le fait d'être serviteur, puisque Jésus donnait des exhortations et des enseignements à beaucoup de ses disciples, comme par exemple dans Matthieu 7 ou autre, mais parlait aussi du salut qui était de croire en lui seulement. Et donc, le livre de Jean est le seul livre qui parle beaucoup et accentue sur le salut, puisque là s'adresse aux personnes non sauvées afin qu'ils croient au Christ. Donc, comme il est dit dans Jean 20, verset 31, qui dit « Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. » C'est aussi là où se trouvent plusieurs versets d'évangélisation que j'ai déjà mentionnés concernant le salut et qu'il n'y a que croire en Christ pour être sauvé. Pour les actes des apôtres, cela parle des œuvres que les apôtres ont pu accomplir pour faire grandir le peuple de Dieu et les persécutions qui sont venues sur eux. Ils ont pu alors annoncer la bonne nouvelle du Christ, ils ont alors bâti des églises, prêché la saine doctrine. Donc cela parle en majorité de la vie chrétienne et surtout concernant l'évangélisation sur les païens. Et donc le salut est aussi pleinement expliqué, qui est toujours de croire seulement en le Christ pour avoir la vie éternelle, comme je l'ai déjà mentionné dans Actes 16, versets 30 à 31. Maintenant je vais expliquer concernant les épîtres. Et donc les épîtres sont des lettres qui ont été envoyées aux différentes églises qui ont été fondées par les apôtres aux alentours, comme à Rome, à Thessalonique ou en Galatie, et donc ces épîtres s'adressent que seulement à des personnes sauvées qui ont cru en Jésus-Christ. Donc ce sont les croyants qui ont reçu ces épîtres, et donc les épîtres parlent en majorité de la vie chrétienne et très peu du salut, à part dans les débuts d'épîtres où Paul mentionne un tout petit peu le salut, et il y a des exemples de la vie chrétienne qui sont beaucoup mentionnés, comme je l'ai dit avant, donc par exemple la sanctification, l'évangélisation, la chair et l'esprit, ou différents enseignements bibliques, etc. Il faut bien comprendre que les épîtres ne parlent pas dans tous les chapitres du salut, car ces textes sont des enseignements de la vie chrétienne après être sauvée. Et donc ces choses-là à œuvrer ne sont pas pour le salut, parce que le salut n'est pas par les œuvres, comme prouvé avant avec différents versets, mais ces œuvres sont seulement et exclusivement dans le droit chemin du bon combat de la vie chrétienne qui consiste à œuvrer pour Dieu afin d'avoir des récompenses et couronnes célestes qui seront données par Jésus lors du tribunal de Christ, donc le jugement des vivants, comme mentionné avant dans 1 Corinthiens chapitre 3. Et donc la conclusion pour n'importe quel épître de la Bible est du fait que l'on est exhorté à être en communion avec Dieu, de marcher avec Dieu, et donc de réaliser le bon combat de la vie chrétienne et de pratiquer les commandements de Dieu par les différents épîtres, étant maintenant sauvés. Et donc on finit par la prophétie qui est le livre de l'Apocalypse qui raconte la fin des temps. Et donc les paroles aux sept églises parlent de la vie chrétienne, des recommandations, exhortations et châtiments de Jésus-Christ sur ces différentes églises. Et donc il est mis dans le droit chemin du bon combat de la marche chrétienne. Et donc le salut est toujours là avec les séries sur le fait de vaincre, qui est celui qui a foi, et Jean nous raconte en majorité après cela de la fin des temps, dans ce livre prophétique, avec l'arrivée des tribulations, l'antéchrist, faux messie, et la marque de la bête, etc., etc. Donc, pour un gros résumé de cela, le salut, qui est la vie éternelle, est par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, donc l'évangile, par sa mort, son ensevelissement, et sa résurrection d'entre les morts. Par cela, nous sommes sauvés pour toujours, éternellement de l'enfer, car c'est un salut éternel, la vie éternelle. Et donc le salut n'est pas par nos œuvres, car si c'est par les œuvres, alors ce n'est plus par la grâce de Dieu, et non plus par la foi. Donc cela devient un salut basé sur des œuvres seulement. Et donc les œuvres comme la sanctification, l'évangélisation,
ou autres qui sont dans la Bible ne sont pas pour le salut, mais que seulement pour le droit chemin du bon combat de la vie chrétienne qui consiste à œuvrer pour Dieu par amour afin d'avoir des récompenses et les différentes couronnes célestes, donc par exemple la couronne de vie ou la couronne de justice, qui seront données par Jésus lors du tribunal de Christ et aussi d'être bénis sur cette terre. Donc j'espère que cela a pu éclairer certaines personnes concernant la Bible, sur le salut et à quoi les œuvres servent en réalité. Et donc si vous êtes sauvés par la compréhension de la bonne nouvelle, par la foi seule en Christ, donc je vous exhorte à commencer à œuvrer et surtout à annoncer la bonne nouvelle pour le Seigneur et mener le bon combat, la bonne course de la vie chrétienne pour les récompenses et les couronnes célestes et aussi être bénis par Dieu sur cette terre. Partagez cette vidéo aux personnes qui sont encore trompées par les faux prophètes du faux salut, foi plus œuvre ou œuvre seulement, c'est très 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 important. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Amen.